Salut, c'est Metalez. Bienvenue dans sa nouvelle vidéo. On est sur Unreal avec Rocco Fejuit. Pingouin. Et moi je joue le mage. En fait c'est un jeu où on doit chacun de notre côté gérer les ressources pour pouvoir faire avancer le train. Il y a question du poids, le bout, on peut aussi faire des plateformes sur l'eau. Pour passer les rivières en fait. Ouais, bon, voilà, pour passer les rivières, ouais, pour faire des ponts. Ah, et on a des petites musiques sympas. Hein. Et moi du coup ce que vous allez voir, bah, c'est que je vais surtout fermer le fer. Hein, m'occuper. Moi, je vais fermer le bois, parce que c'est des rôles qu'on s'est donné. Moi je vais aussi refroidir la chaudière. J'aime bien quand il pleut, pourquoi? Parce que bah, la chaudière elle le surchauffe pas. On a différents wagons. Wagons de stockage, wagons pour construire les rails, wagons de pour refroidir les locaux. Et on a un autre wagon, tu expliquais peut-être à quoi sert ce wagon là? C'est un wagon, quand vous dashez plusieurs fois dedans, ça le charge, et ensuite quand vous redashez à l'intérieur, ça vous permet de bloquer votre train pendant un court instant, donc très très pratique dans des situations délicates. Vous jouez, vous galérez, vous avancez, vous posez vos rails. Puis vous chiez quoi. Bon, et gros, peux-tu parler de ton rapport sur le jeu? Là, vous voyez qu'on gère comme des boss, c'est pas la première fois qu'on joue. Il y a une free week sur Steam. C'était gratuit pendant un week-end le jeu. Il faudrait qu'on réussisse à faire l'achievement de faire tourner les rails. Genre là, par exemple, la mission actuelle, c'est réussir à faire tourner votre wagon d'assemblage pendant 15 secondes non-stop. Ce qui est assez compliqué à faire. Et en fait, ça vous permet d'obtenir la monnaie du jeu, qui est la vis. Et n'hésite pas à récupérer toutes les vis oranges de tous les biomes. On a une à chaque fois. Si on les récupère toutes, ça permet d'obtenir un secret. On va peut-être parler graphisme parce que ce jeu est très minimaliste. Effectivement, c'est un jeu qui tourne sur à peu près tous les systèmes. À partir du moment où vous avez une carte graphique, c'est facile de jouer entre potes. Oh oui, correct. C'est pas très cher le jeu quand il est en solde. Il me semble qu'il doit bien être à 6€ si je dis pas de conneries quand il est en solde de Steam. Oh shit. La chaudasse, c'est pas très bon. Ah, je gère la chaudasse. Ah, il a prononcé ses mots. On dit mec. Mais bon, bien joué. Donc ah, j'étais focus là. Pour vous faire un méga stock de rails. Au début, comme le train va très lentement, il est fortement conseillé de faire des stocks de rails pour que vous atteigniez pas la station. Vous êtes bon. Vous pouvez continuer à jouer. Il y a un truc que je vais faire, par contre, c'est ça. Ouais, parce que la pierre, c'est compliqué. Hein. Non, c'est pas ça. Le problème qui se présente à nous, c'est que c'est assez étroit. Parce qu'on peut pas passer à travers la locomotive. Comment on fait pour tourner là? Ah, comme ça. Ok, j'ai peur. Ah! Ah, explique donc, les wagons. Nous voici dans le magasin. Donc vous avez le droit à avoir accès au magasin entre chaque gare. Et avec les vis que vous aurez récupérées, soit vous pouvez venir ici et acheter des améliorations de wagons, donc ouais, qui permettent par exemple de stocker plus de ressources. Vous pouvez aussi venir aller dans la catégorie nouveaux wagons pour rajouter des tout nouveaux wagons à votre train. Donc là vous voyez actuellement on a 4 sur 5 wagons, donc vous pourrez en acheter un et le rajouter, par exemple le collecteur de ressources. Et enfin vous avez la locomotive, ça vous permet de changer de biome. Ça rajoute une nouvelle difficulté au jeu, de nouveaux éléments, un nouveau paysage, et ça ralentit un peu votre train. On augmente notre stockage. Peut-être augmenter le frein. On peut aussi augmenter le frein, bien sûr. Parce qu'on est des gros noobs. Ouais. Oh, je mine les ressources. Minecraft. Wow, c'est Minecraft le jeu. Alors en fait, on l'a pas dit, mais le jeu a été développé par Notch. Non, par Marcus Persson. Tu sais, moi, dans mon cœur, il y a seulement la société Realogic. Mojang, ça n'existe pas. Donc tu prends jamais la hache, mec, hein. String verboten. Ouais, tout pareil. Même si on peut pas voir vos commentaires en direct, n'hésitez pas à lâcher des gros coms. Vous sentez pas obligé, mais ça nous ferait très plaisir. En fait, le développeur, c'est Marcus Persson. Le running gag qui s'arrête jamais. En fait, le jeu, c'est Minecraft 2.0. Qui est le développeur? Personne. Oh la vache, là, on va plus pouvoir passer, là. Pas te mentir que là, on n'est pas dans la merde. Alors, il faut surtout pas qu'on appuie sur le bouton de frein, parce que sinon, on va être bleu. Vraie question, mec, si t'étais influenceur comme moi, tu tires ou tu pointes? Je tire. C'est bien, mec. Bonne réponse. Où est le saut? Cul. Rigolo, dans mon cul, Ah, le train avec des mythes, bien ça. Prends le caillou et tu le mets dans le. Ça produit une dynamite toutes les 35 secondes. Oh, y'a un chrono, secondes. Oui, d'accord. Regarde. Ah oui, ça doit être pratique, c'est pour faire péter le. Pour le faire Maroc, tu peux pas le casser quand même. Ceux qui ont Maroc, hein. Pour ceux qui ont la F. Et tu sais ce qu'est solide aussi? Ma bite. Oh putain, il l'a fait avant moi. Mouche. Et genre les petits sons de pioche comme ça, mec, c'est tellement satisfaisant. Creuse de profond, pose la dire. Oh la violence. Il y a d'une violence ce jeu. Là, les jeux vidéo ça rend violent, hein. On a le Supercharger. Qu'est-ce que le Supercharger? Ça permet de booster tous les wagons
qu'il y a à sa gauche et à sa droite. Et bah en gros, ta prod qui est niveau 2, bah elle devient niveau 3. Mais du coup, par exemple, là, notre wagon qui ralentit, il est déjà level 2, non? Il est level 2, mais du coup, si on met un superchargeur... Il sera level 3. Terre-corps, ouais, ok, c'est bon, j'ai compris, je suis intelligent, j'espère, c'est ce que ma maman m'a dit. Je propose de rester sur ce qu'on a et peut-être de upgrade rail et dynamite, comme c'est ce qui nous est proposé. Dina, c'est bien, ça nous permet d'en fabriquer deux et elles ont un plus gros radius. Mais quand tu regardes tous les world records, ils ont genre 3 wagons de dynamite. Ah, monsieur s'intéresse aux world records. On ne doit pas se courir l'un dans l'autre. Mais quel connard! Tu m'as couru dedans! C'est toi qui m'as couru dedans! Je suis le pingouin! Or, mate-moi ça, mec. Mate-moi ça, la Dina. Oh. Oh le. Oh! Oh non! Oh non! On pose des rails, mec! Bien sûr, je suis chef. Ah oui, il y a un wagon qui indique le chemin. C'est un peu de la merde. Oui, sachant que tu risques pas de te perdre, c'est tout droit. Moi, je serais d'avis de pas vraiment changer de biome tant qu'on arrive toujours à tenir le coup avec ça. Attends, regarde. Taïo! La oh, on va avoir des problèmes. Eh, ça va être chaud là. Faut alors vite construire et là faut que je pose des rails, là j'ai pas le choix. Ah ouais, pose des rails. Moi je continue à couper le wab. Ça va vous mentir que je commence à stresser. La panique. On a le frein, mec, on a le frein. Mais putain, mais ils me coque-bloquent les putains de bandits. Oh non, t'as d'enfoiré. J'ai le doute qui a envie de sortir de l'igloo. Traduction, j'ai envie de chier. C'était vraiment très intéressant. Ah. Ah, oh, tu me coque-bloques là. C'est cringe. Step bro. I'm stuck. Johnny, I'm stuck. Y'a plus de minerais. Bah ouais, bah là surtout il faut reposer des rails. On commence à être un peu plus en difficulté. Ouais, là ça commence à s'accélérer. Voilà. Vitesse est un critique. Pensez à améliorer votre locomotive pour initialiser votre vitesse. Alors on a rechargé là notre sauvegarde. Quand on quitte le jeu, ça quitte le store. Et ça, c'est un problème. Notre train va beaucoup trop vite. Pas encore, je dis ça, non, c'est. Ah bah. Faut pas chômer ça, je le dis tout de suite. Prends les rails. Vite. Pose, mec. Ah, j'ai pas assez. Non, t'as pas pris assez de mina. Oh non. Si, c'est bon, bouge ton cul. Allez, je prends les rails. Oh putain, yes. Ah, c'est gagné. Ah, ça ralentit. Voilà. Maintenant, on a un petit peu de quoi investir. Souvent, on s'achète un collecteur. Le collecteur, c'est un wagon, quand il va passer près des ressources, il va les récupérer automatiquement. Alors, pas les ressources naturelles, que les ressources que vous aurez minées. Pour qu'il fonctionne, il faut lui donner du carburant, donc il faut lui donner du bois. Ah, attends, et là, on peut avoir 6 wagons, vu qu'on a une nouvelle locomotive, je l'ai pas vu. Eh oui, c'est pour ça. Bien ça, attention. Magie! On arrive dans un désert. Qui dit désert, qui dit sécheresse. Et qui dit que chaudière qui risque de s'embraser. C'est quoi? C'est vraiment une chaudière? Ou c'est juste un système de refroidissement? On appelle ça la chaudasse. En vrai, c'est la citerne pour refroidir. C'est ça, c'est pour refroidir. Ah, ouais. Puis voilà, nouvelle ambiance. Oh merde, la chaudière. Voilà, c'est ce que je disais. Ça risque de prendre feu assez rapidement. Ça va être un challenge. Il va falloir se concentrer. Ambiance orientale. Hein. Envie de manger épicé. Chinois. C'est quoi le rapport? J'aurais dû manger épicé. C'est moi, le seau il s'assèche à chaque fois, je deviens fou moi. Il y a moyen, comme dans le désert. C'est con qu'on peut pas breakthrough à travers le permaroc. Eh oui, The Rock. C'est fou de se dire qu'il y a des gens qui vont sur Twitter. Bon, Twitter c'est un nid à conneries, hein, évidemment. Tu sais, il y a les deux photos ici. Mais ils sont jumeaux, Tony Johnson, The Rock. Connard, c'est la même personne. Voilà, exactement ce que je suis en train de me dire. Est-ce qu'on a de l'eau? Il faut refroidir la chaudasse. Elle est actuellement en chaleur. Oh, la musique, trop lourd. Là, il y en a une. Bah, ok. C'est my job. Hein. C'est un travail de main, c'est un end job. Comment ça, c'est cringe? C'est ça qui est bien dans le jeu et en même temps qui est chiant, c'est que si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelque chose, il y a moyen de s'énerver. I'm stuck, step bro. C'est vraiment pas passé, il va falloir que je pose des rails. Non, par contre, tu peux récupérer les rails. Et moi, je peux freiner. Moi, je vais miner en attendant. Je vais diguer ton hall, hein. Bingo, bon. On a 5 vis. En tout cas, les freins pour sûr, mec. Ouais, on peut améliorer les freins. Ah, ça mange du fer en plus. Ça va nous permettre de crafter de la dynamite niveau 3 et d'avoir un frein niveau 4. Tu vois, regarde, ils sont super chargés. Et du coup, ils nous produire de la gigadina. Là, regarde-moi ça. Même les bandits, mec. T'as vu comment c'est violent, la dynamite? C'est d'une violence. Les world records, c'est fou de dynamite, gros. Ils ont genre deux wagons de dynamite qui max avec des superchargeurs. Arrête, gros. Après, les gens, ils vont nous demander de faire un world record. Surtout que la dynamite, ça consomme de la pierre. Et le superchargeur, ça consomme de la pierre aussi. Mais t'inquiète. Ouais. On a deux freins de 13 secondes, mec. Bouchez-vous les oreilles. Brrrr.
Oh, c'est satisfaction. Mate-moi ça, là. Voilà. C'est la douche, mec. Bah on n'a pas besoin de nouveaux wagons, donc upgrade mec. On peut upgrade le superchargeur. Ah plus un oh la vache. Va falloir que la prochaine amélioration qu'on fait, par contre, va vraiment falloir améliorer la chaudière. Exactement. Oh tu te téléportes mon gars. La chaudasse. Oh putain la musique là elle est. Moi les banger. Banger. On est Lorient mec. Moi là c'est le Far West. C'est les musiques de western. Les musiques. Les films de western. Oh je suis fatigué. Eh j'ai gagné un succès ok. On raconte que des dingueries et on tire à bras réels. Encore un succès. C'est Mojave. Ah oui, y'a plus de l'hydre. À l'aide. Faut aller le chercher en bas. Il faut vraiment que tu mines là. Ah, mais là, mec, c'est la Somalie de la pierre quoi. C'est marrant parce qu'en fait, la musique dans le jeu elle se lance en même temps, mais on a jamais la même. Mais regarde comment on est incroyable, mec. Mec, on est d'une productivité. Regarde notre stack de rails. Ah oui, juste insane. On peut même produire des rails pour le pays voisin, quoi. Produit des rails, hashtag Stenbush Ukraine. On va peut-être améliorer la chaudière. Non, je sais pas toi. Si. Si, on avait dit qu'on le faisait, moi j'avais dit qu'il fallait le faire. Tu veux upgrade la dynamite? Bah ouais, mec. Bah vas-y, mec. Mec, vas-y. Hein. Ok, on doit laisser le train brûler pendant 10 secondes. C'est des malades, hein. Il est exceptionnel, cet achievement. Hein. Mais ça va, ils peuvent voler que les ressources, ils peuvent pas voler les rails. Ah putain, si, ils peuvent voler les rails. Bien sûr. Bien sûr qu'ils peuvent voler les rails, ils volent absolument tout. Ah putain, c'est vraiment des. Bah des bandits, hein. Ah, voilà, merci, tu m'ôtes les mots de la bouche. En fait, c'est ça, nous, on commence toujours à avoir des rails de rab. Au début, on chill un max. Après, on est en mode au secours. C'est ça. Et après, à la fin, on spam le frein, on chill un max. On fait 15 000 rails. Va falloir faire attention, parce que là, on pourra plus passer après. Bah, on est baisé. Bah on a perdu mec. Bah on a perdu, on a tellement perdu hein. Hey. Salut mon pote hein. On a tout cassé. Sad. On est pas mort. On a pas totalement fail. Bon maintenant faut pas faire deux fois la même conne. Oh les connards. Mais te les jettes. Mécanique de jeu de merde. Putain il nous a chauffé deux rails. Ah je suis en train de les ratios hein. Ah si mec là ce coup-ci j'ai fait gaffe au placement des rails. On ne pourra pas grind de rails en plus. J'aime bien comment ça a pris feu à la fin. Voilà, ça reproduit, c'est magique. Un star là. Oh, y'a plus rien. Ah, mais non, mais parce qu'en fait, lui il est upgrade. Lui il est full 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 upgrade. Tous nos wagons sont full upgrade, sauf le superchargeur. Bah, locomotive avec un next, hein. Une gare et loco, hein. On l'économise à la prochaine, du coup, on change de locomotive. Pour conclure la fin de l'épisode, génial, mec. Le game plan. Mec, pourrait poser une dynamite ici, je sais pas. Genre là. Ah, oh, je joue, mais du coup, faut que tu mettes des ressources parce que sinon on est cuck. Oh non, mec, on a release des. Oh non! Ouais, y'a les bandits et y'a les putains de chameaux. Putain, mais mec, comme on n'est pas allé choper la vie, ça n'a pas de problème. Oh, les PZ. Là, bientôt, ça va être critique niveau vitesse de train. Eh bah, rien, vas-y, let's go. Oh non, mais stuck! Mais pourquoi t'as posé les rails là? Non! Putain, mais en plus, on a encore perdu du temps. 2 seconds later. Ce qu'on sait, c'est que prochaine gare, ça va bon, on change de locomotive, hein. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. Disons, on peut plus rien upgrade. Et on a. Et je t'annonce qu'on a la deuxième vis, ce qui fait qu'on va pouvoir totalement. Wouah, cette explosion. Ah oui, ah oui, faut qu'on mine, complètement, oui. Non, parce qu'il y a du permaroc, on peut pas, on est obligé de passer par en bas. Ouais, ok. Attends, mais gros, si on met la bombe ici, on pourra pas faire passer le train dans tous les cas. Oh, ça va être vraiment short, hein. J'arrête le train. C'est ça, ouais. Boum. Ouais. Vas-y, fabrique des rails, mec, on a besoin de bois pour les rails. On est des génies. Oui, on a gagné. Si vous avez Unrailed, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Metal Blaze, hein, lien dans la description. Totalement. Pour pouvoir jouer avec nous. On a désespérément besoin de joueurs supplémentaires. Quoi changer de locomotive? Bah tiens, en plus il nous dit que le train va beaucoup trop vite, c'est génial. Mais surtout ce qu'on va pouvoir faire, c'est conclure la fin de la vidéo, tout simplement, parce qu'on va changer de biome. Sur ce, on espère que vous avez aimé cette vidéo sur Unrailed avec Rukovic 8.
N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, partagez. N'hésitez pas aussi à vous abonner avec RocoFeuJuit. Et ben on vous dit à la prochaine. Salut, c'était RocoFeuJuit en direct de YouTube.